Coucou les gens, alors je vais vous faire une vidéo make-up pour ce lundi 5 juin 2017. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des produits de beauté. Je vais vous faire une démonstration pour et quelle occasion pouvoir y mettre. Alors déjà en premier, nous avons la poudre. Alors je vais prendre une poudre claire de transparence beige. Je ne sais pas si vous voyez. Ici de chez Yves Rocher. Donc cette poudre, vous si vous savez pas l'appliquer, elle n'est pas chère, hein, vous la prenez chez Yves Rocher. Donc il faut la prendre comme ça et vous tournez comme ça, et après vous vous en appliquez. Alors vous faites comme ça. Alors ça permet de ne pas de cacher vos boutons quand vous en avez. Enfin moi j'en ai plusieurs là, donc voilà. Ensuite alors je vous... Donc si vous voulez aller à une fête et que par exemple c'est plus voyant, donc vous mettez un truc, que vous avez une fête, un anniversaire ou voilà, et que vous êtes entre vous, vous mettez quelque chose de voyant. Donc vous pouvez mettre très bien du bleu, alors il y a un peu bleu pailleté. Donc c'est du bleu scintillant 92 de chez Yves Rocher aussi. Vous pouvez mettre ce bleu-là. Alors ça fait, je vais vous montrer. Ou bien vous avez aussi du or scintillant. Donc c'est or scintillant, c'est 9 91, excusez-moi, de chez Yves Rocher aussi. Donc si vous voulez aller à une fête et que vous voyez que ça se voit, vous pouvez mettre donc le bleu que j'ai mis. Et aussi du rouge à lèvres, alors là il est foncé et j'ai mis exprès bien voyant. Donc personnellement j'aime pas trop, je mettrai jamais du rouge à lèvres comme ça, mais si vous voulez. Donc c'est du rouge flamboyant de chez Yves Rocher aussi. Donc ça c'est vos produits pour la fête. Ensuite, si vous voulez, si vous allez en cours, si vous êtes lycéenne ou collégienne, évitez de mettre des choses de ce style-là, comme je vous ai montré. C'est plus pour les fêtes et c'est super voyant, je trouve, personnellement. Ça ferait trop plus tout de soin, comme diraient les personnes. Donc, je vais éviter. Faites tout pour plutôt mettre du mascara et privilégier le mascara et la nerf, comme je vais vous montrer. Donc voilà, par exemple pour le lycée, vous mettez juste un tout petit peu de mascara. Alors je n'en ai pas mis beaucoup. Alors c'est de chez Yves Rocher. Alors c'est Gacilly R512. J'ai aussi du plus voyant, donc je vais vous montrer. Alors lui, il vous épaissit et vous allonge aussi. C'est du mascara longueur 360. Et c'est le numéro R702. Donc je vais vous montrer. Ici, prenez plutôt un truc cool. Donc en rapide. Voilà, donc en rapide, ça fait ça. Alors ça, pour le lycée, c'est très bien parce que le matin, je n'ai par exemple jamais temps de me maquiller. Donc je mets un tout petit peu de ça. Après, vous pouvez mettre du rouge à lèvres, crayon à lèvres Eka. Alors, c'est du Coral Doux de chez Yves Rocher. Donc, vous en mettez pas beaucoup non plus. Donc, voilà. Il ne se voit pas trop et c'est franchement, on dirait pas que je suis maquillée comme ça. Donc vous pouvez mettre ça. Donc ce sont les rouges à lèvres que je vous ai montré. Après vous pouvez aussi mettre pour les fêtes, si vous voulez pas absolument le doré ou le bleu, vous avez du bleu hein, ou du rose. Après j'ai aussi ça, c'est des shakers, donc ça vaut pas trop le truc, mais c'est des simples paillettes en fait. C'est très cher à enlever, mais c'est très joli. Alors on a la couleur beige.
Vous avez un peu plus gris foncé, etc. Ouais.